Hey Yomina! Bon là les gars, on va parler de la saison 2 de Demon Slayer. Et j'avoue, entre ça et My Hero Academia, j'avoue, je sais pas ce qui se passe, c'est la qualité. Bon, qu'est-ce que j'aimais? J'avoue, je kiffe la relation de Tanjiro et de Nezuko. Je sais pas, leur relation entre eux, je kiffe. Et un côté, tu sais, Tanjiro, tu sens qu'il aime profondément sa sœur, toi. Il veut la défendre coup de coucou, toi. Pour elle, c'est pas... Jamais elle sera un démon, toi. Puis, tu vois, il y a un côté, moi, j'aime ma sœur à fond. Donc, je comprends le lien qu'il a avec elle. Identification max, toi. Donc, qu'est-ce que j'aime dans Demon Slayer? Muzan! Mec, antagoniste principal, ma gueule, Muzan. Il est tellement chaud, mon gars, que même les ennemis qui ont juste chaud, ils ont chaud de lui, mon gars. Je sais pas si tu capes la chaleur, ma gueule. Après, je te dis sincèrement, je trouve que le studio là, Ufotable, ils font le taf, mec. Dans l'animation, c'est. Franchement, c'est fluide, c'est beau. Pourquoi j'accroche à ce manga? C'est parce qu'en fait, il est mis en scène. Après, oui, il y a aussi les personnages. Parce que j'avoue, Tanjiro, je kiffe. Mais tu vois, par exemple, les personnages secondaires, je les trouve éclatés, mon ref. Ah là là, le mec de sanglier, la torsionnée qui crie. Mais ferme-la, il me saoule, lui. Le blond, il me saoule, le blond, wesh. Hein. Après, vous allez me dire oui, mais quand il est en mode. Oui! Quand Zenitsu il est en mode. Il ferme les yeux, il dort, il. Bien évidemment! Toi, Zenitsu il est censé nous faire rire, il me fait pas rire. Bon, il m'a fait un petit peu sourire, j'avoue, dans la saison 2. Mais en général, toi, ils me font pas rire. Toi, c'est pas comme dans One Piece où les personnages sont. J'allais dire charismatiques, mais c'est peut-être pas ça le terme. Mais leur relation entre eux, le côté Nakama, il ressort plus. Et franchement, t'es plus attaché à eux, toi. Peut-être que là, je les connais pas assez encore, ou je sais pas. Ou... Non, parce que même au début de One Piece, je rigolais. Bref. Tout ça pour dire que l'humour n'est pas le point fort de ce manga. Après, c'est pas un manga qui se revendique humour, donc voilà, bref. Après, j'avoue, dans la saison 2, il y a des scènes qui m'ont marqué. Hein. Je vous cache pas, il y a des scènes où j'écris. Hein. C'est comme ça, devant l'ordi, je fais. Ma gueule, j'étais dedans, j'avoue, j'étais dedans. Et c'est pour ça, en fait, ça m'a. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo, faut que je vous en parle. Parce que j'ai envie que vous me disiez, voilà, Tachi, moi aussi, j'ai joué. Molo Negro. Bon, voilà, mon gars, petite vidéo juste pour te dire mon avis sur la saison 2 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mon gars, je t'envoie du love à toi et à tout ce que tu aimes, mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao!